This is what your girl was saying. Okay, the community here is totally very angry. Thank you very much. Destroy their food. Alicia also be very interested in this point as well, thank you. With too much meaning and riches to offer humankind. No, after through these earthly adventures and no more, one can still find footprints of these red lights on the pavements of our contemporary life. Good evening, you're welcome to the program Green Planet. Thank you very much for talking to people, places and events and to the African Center for Community and Development. What is your name? Roger Com. Roger Com, you've been a great musician in Cameroon. When did you start playing music? Ici au Cameroun, évidemment. Quand? J'ai commencé la musique dans les années 70. J'ai joué au collège de la salle, enfin ma grande orchestre collège, un orchestre des anciens, où il y avait Toto Guillaume wow. Et Antoine Sombert, feu Antoine Sombert parce qu'il est décédé malheureusement, j'étais batteur. Et au moment où Toto allait dans le Black Steel, moi j'allais dans le Black Sound, au Nice Sport à Aqua, qui est pour mon frère. Donc tu étais saxophoniste. Saxophoniste, ouais. Comment tu peux évaluer la musique que tu as jouée, ton époque et cette époque? Comment tu peux comparer? Ça n'a rien à voir. Ça n'a vraiment rien à voir, quoi. Pourquoi? Je veux dire qu'actuellement, il manque un peu d'authenticité, quoi. La musique actuelle n'est pas mauvaise, quoi. Il y a beaucoup de machines. Avec les machines, bon, on ajoute des choses, mais ça perd un peu le côté traditionnel, le côté original du Cameroun. Parce que moi j'ai écouté par exemple les nouveaux artistes, je n'écoute pas beaucoup. Mais à comparer à des gens comme Missengo, Koti François, qui sont vraiment les pionniers du Makossa. Les génies du Makossa, il n'y a pas vraiment quoi, il y a rien à dire. Quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus cette créativité, c'est ça que je veux dire. Mais autrement dit, c'est toujours pas bonne musique, il y a un sens pour les jeunes. Je vais dire que c'est dans les années 90 que ça a commencé à basculer un peu, quoi, parce que à Paris il y avait le Makossa était tellement connu que vraiment dans tout le monde entier ça avait été connu, quoi. On parlait du Makossa dans tout le monde entier, quoi. Mais après un certain moment il y a eu un métissage de la musique congolaise et qui a fait en sorte que la musique congolaise a pris le dessus. Or, le Makossa a été vraiment très reconnu. D'ailleurs, Myriam Makeba, à ce moment, elle avait prouvé, quoi. Elle avait chanté, elle avait à l'honneur du Makossa. Et nous sommes maintenant dans 2013. Quelle est votre pensée par rapport à la musique camerounaise? Là, je pense qu'on devrait revenir un peu au succès. C'est-à-dire revenir, parce qu'on a toujours, le produit. C'est-à-dire, mais il pourrait pouvoir faire en sorte que ça soit reconnu, enfin, faire en sorte que quand on puise dans la tradition, par exemple, que ce soit connu au niveau international. Bon, parce que la musique camerounaise a beaucoup de choses. Mais il n'y a pas encore la vague qu'il y a eu dans les années 70-80. Bon, tu as des jeunes qui font vraiment du bon travail comme Blik Bassi, comme Coco Mbassi, il y a pas mal de jeunes qui font des bons trucs, quoi, qui sont restés un peu authentiques. Et en même temps, des bons musiciens. Mais
je crois que ça va le faire, quoi. Parce que le Camerounais, c'est quelqu'un qui est un chercheur, quoi, un créateur. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à les anciens musiciens comme les Côtes François, Bissingo et Toto Guillaume? Ouais. Dis-moi quelque chose par rapport à mais ça, c'est Toto Guillaume. Toto Guillaume, c'est d'abord mon ami. C'est-à-dire que c'est un compagnon, on est rentré dans le professionnel ensemble dans les années 70, 73. Bon, Toto, c'est quelqu'un qui est très aimé d'abord, mais je ne sais pas pourquoi il n'est pas ouvert à l'Occident, quoi, au niveau international, mais c'est un très, très grand musicien. C'est un musicien vraiment dans le cul. Et je veux dire que lui, il avait déjà quand même un style qui avait été, qu'il a pris chez Nene et qu'il a développé par le classique. Bon, on parle de Francis Bébé en a fait, mais Toto est encore un peu, pourrait faire encore plus, quoi, parce qu'il était déjà à ce moment la fan de Francis Bébé, et au niveau de la guitare. Oui, et Missengo. Missengo, mais ça c'est le vrai détenteur, c'est le gars qui conserve quoi. Moi je suis toujours très content, jusqu'aujourd'hui j'écoute toujours Missengo. Et à Paris, et ici là je l'écoute. Toujours, c'est le gars qui conserve quoi, comment je peux appeler ça, la matrice, la matrice qui m'a fait ça. C'est le gars qui joue vraiment du Mapo ça et qui la chante très très bien. Je veux dire que c'est très bon chanteur. Tu as joué dans plusieurs morceaux. Oui. Plusieurs morceaux de Makossa, ouais. Comme ça. Quel est le morceau que tu peux dire, que tu peux identifier comme tes meilleurs morceaux que tu as joués? Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, hein. On a fait déjà pas mal avec Camille Briand. On a fait avec Dinavel. Voilà quelqu'un avec qui on a avec Denis Wesley, c'est, qui était à la clé de cette espèce de révolution. Quoi. On a fait Dinavel, je crois que dans les années 80. Bemba Modaïo, c'est quelque chose comme ça. Quoi. Je me rappelle plus bien le titre de l'album. Mais ça, c'est un chanteur qui a fait connaître le Makossa dans le vrai sens du terme. Étant donné que Dinavel, c'était le. Après Camille Briand, vraiment. Enfin, il y avait Camille Briand, il y a eu Dinavel. Pourquoi il y a très peu de saxophonistes ici au Cameroun? Il y en a quand même, mais on ne les connaît pas, quoi. La majorité font du jazz, et puis du classique, et puis bon. Lâche un peu la musique du Cameroun proprement dit. Je veux dire qu'il y a beaucoup de jazzmen. Il y en a pas mal, mais qui ne sont pas ici. Quoi. J'en connais un avec qui je travaille actuellement, dans un projet qui s'appelle Kellen Kellen Orchestra. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Kellen Kellen, c'est-à-dire ce gluant de Gombo. C'est qu'on a essayé de rassembler un peu les musiciens camerounais, puis on a fait je ne peux pas appeler ça un groupe, quoi. C'est une expérience qu'on fait tous, parce que tous les éléments sont des gars qui ont déjà des marges personnelles, qui ont des groupes, chacun a un groupe, quoi. Mais tout simplement pour essayer de vivre un peu notre feeling, quoi. Le feeling camerounais surtout, on a créé cette formation. Vous pouvez me dire quoi par rapport à la piraterie? Ouais, la piraterie c'est quelque chose qui a toujours existé. Mais moi je pense que les démarches que les autorités sont en train de faire, les responsables sont en train de faire pour ça, ça vaut la peine. Parce que vraiment quoi, le musicien il a besoin de vivre pour pouvoir travailler, quoi. On n'a pas toujours besoin d'aller en Europe pour quoi, parce que là-bas les choses sont organisées, on peut le faire. Ça donnerait beaucoup, ça ferait qu'il y ait beaucoup d'artistes camerounais qui opèrent, parce que quand on peut en vivre, on a le courage de créer. Mais nous, on est une génération qui avons pris la musique par sentiment, quoi, c'est-à-dire que c'était par amour, quoi, que nous avons fait ça. Donc nous-mêmes on faisait tout, par exemple à Paris, nous-mêmes on payait notre école, on travaillait, on payait notre école, étudiait, on faisait tout de nous-mêmes, quoi. Or, dans la logique des choses, il faut quand même avoir des services administratifs qui s'occupent de ça, quoi, pour que ça soit quand même reconnu. Il y a quand même une nette avancée au Cameroun, parce que bon, par rapport à cette époque, à l'époque, ça a beaucoup changé quand même, quoi. Mais ça, c'est un problème qu'il faudrait quand même voir de près.
Bon, il y a les musiciens contemporains comme Muntu Vado. Ah, tu le connais? Ça, c'est mon pote. Il est aussi mon pote. Ouais, c'est mon pote, quoi. Oui. J'étais même avec lui au téléphone il y a 2 semaines avant de partir de Paris. On est toujours en contact. Il vient en Angleterre. Mais comme nous travaillons tous avec une fille que Manu m'a présentée il y a un certain moment, il y a quand même quelques années, qui s'appelle Grace Kamaki, qui est dynamique. Elle aussi en contact avec les mêmes gens que j'aime pas. Et Muntu Vado, c'est quelqu'un qui m'a impressionné. Parce qu'il est. C'est un génie, c'est un génie. Disons qu'il est du littoral, mais nous on joue la musique Bamileke. Il rentre dedans avec son harmonica. Oui. L'harmonica, simple harmonica. Mais il rentre dedans comme s'il était au courant de. Et il joue dans l'esprit même de la chose. Quoi. Voilà. Voilà quelqu'un qui peut faire des choses, seul avec sa guitare et son harmonica. L'originalité africaine. Oui, il est très original. Et c'est magnifique, c'est parfait. On trouve des Martiniquais, des Guadeloupéens, des Réunionnais, des Cubains, enfin des îles, quoi, qui revendiquent la culture, qui revendiquent être. Parce la diversité africaine. Voilà, qui revendique ça, qui se reconnaissent, ils disent non, nous, c'est ce qu'on cherche. Donc, c'est quand même déjà pas mal, quoi. Et avec ce groupe, on prend des musiques, on a fait une version de Soul Mapusa, mais dans un rythme bamileke. C'est dans un rythme bamileke qu'on a fait Soul Mapusa. Ça, c'est très rare. C'est très rare, quoi. Et je crois que c'est dans ce sens-là que. On travaille, quoi, parce que, vous savez, si nous-mêmes, on ne fait rien pour nous, personne ne va rien faire. Donc, tes derniers mots ici dans People, Places and Events, et vous pouvez me dire aussi ce que tu penses, et dans ton dialecte, pour que les gens de ton région puissent te comprendre ce que tu as fait pour la musique camerounaise aussi. Ouais, moi j'ai composé, enfin j'ai des compositions. Moi je vais pas à pas, parce qu'en estimant que nous sommes quand même au début d'un certain développement, d'un certain développement musical, en tant qu'aîné aussi, il faut prendre les choses de façon que ça puisse donner la direction à des jeunes. Donc j'ai fait des albums quand même, et à un certain moment j'ai rencontré un manager qui était français, qui était complètement de mon côté. Pourtant, il n'est pas camerounais et il défend beaucoup les valeurs africaines, mais tout simplement parce qu'il reconnaît surtout quelque chose de bien, enfin quelque chose de créatif dans la musique camerounaise. Mais si on avait l'occasion, il pourrait vous donner un échantillon, enfin, il pourrait vous donner un CD de promotion que nous avons fait par lui. Et d'ailleurs, il est en contact avec certains journalistes ici au Cameroun. Quoi. Je ne suis pas au courant, mais il est en contact avec eux. Il les a vus là, récemment à Douala. C'est contre-choc. Ça veut dire quoi? Contre-choc, c'est du pays. Oui. Contre-choc. C'est que, bon, mais vraiment, ce serait mieux quand même que. C'est le langage du pays, le langage que notre maman nous a appris. Parce que là-dedans, c'est de la musique. Donc, il y a beaucoup de richesses musicales qui se trouvent dedans. Pas seulement la richesse musicale, de la force et de l'amour. Parce que c'est communiqué par la maman. Vous savez, on parle souvent de la femme, mais la femme, c'est quelqu'un qui est très important pour la vie des hommes. Gabouchanga Gonga, Potwa Bouk Musica, Aouchanga Kounye, Wabwe Kounye, Wabkoum Le Yoshir, pas Gomla Tsab, Nakara Gomla Tsab, Papa, Yoyakimi Hadou, Dikiwa, Djega, Peba, Dieu pardon, Badje Meyer, Yé Pokouma, Padana, na gomtie ojo ta jo pa gomtie ba wala gomga de yobuga. Thank you very much for doing a lot in the music industry of Cameroon and Africa and for contributing to the cultural development
of Cameroon and Africa, and I wish you the best, and hope that through the value of this program, your wonderful vision to Cameroon's music and to Africa's music can reach out to the millions that are going to be watching. Yes, thank you. Thank you very much. And you just listen to a young girl who was saying that the Nigerian community here is totally very angry. Thank you very much for your attention to your station. Our young man said, what's the job going to get tonight? Of the Federal Republic of Nigeria. Went to several schools to make your academic education was at the government college to Delhi. And go on, go, gotta destroy their food. Make a camp. In each generation sometimes. Today I hope I can be in the style of J.C. Flack, a poet and writer, and we shall also be very interested in his point at more dancing. Some meaningful. Some are empty. With too much meaning and riches to offer humankind. Now, after some of these earthly adventures and no more, one can still find footprints of these great lives on the pavements of our contemporary life. Good evening, you're welcome to the program Green Planet.